Déjà, je ne sais pas très bien qui je suis. Est-ce qu'on n'est pas toujours qui on est ? Le parcours de chacun doit énormément au hasard. Déjà, j'espère que je suis qu'un embryon de moi-même et de ce que je peux encore penser. Mon pays, c'est la terre, quoi. Je me sens partout chez moi. Mes racines, c'est partout. C'est connaître du monde. Ayant moins peur de moi, j'ai moins peur des autres. Ne laisse jamais personne te briser les ailes. Rester jusqu'au bout, c'est aussi dénoncer. Une sorte de révélation, puis de désillusion. Il pensait, lui, s'adresser à moi d'une façon discriminante. Les mots que j'aime et les mots que je n'aime pas. Je veux pas entendre, je suis pas d'accord. Ouais, ça me fait vraiment peur. Il y a la révolte et la colère. Les choses nous dépassent. L'amour m'a toujours sauvé. C'était en moi depuis le début, quoi. Je crois qu'il a nourri mon âme et mon cœur. Tout est construction. On se tourne vers le passé. Je regrette rien. L'amour, ça existe et c'est grandiose. C'est tellement beau. Je vis mes rêves. Et à partir de là, c'est de faire de sa vie de la littérature. L'histoire, elle est écrite. On se nourrit avec des livres. C'est ça qui m'a un peu réveillé. C'est être à l'écoute des enfants. J'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. Oui, moi, je crois beaucoup au destin. Mon gosse, c'est le vide. Jamais laisser place à la banalité. Comment pouvons-nous échapper à ça? Moi, je crois qu'on peut tous réussir à faire beaucoup de choses. Ce sentiment de bouillonnement, de vibration, je l'ai vécu et expérimenté grâce au collectif. Je me suis retrouvée. Et essayons de faire de ça un espace de liberté. J'ai perdu le fil. Il n'y a pas vraiment de fin. Moi qui vous parle. J'ai eu la chance d'être outillé pour rêver ma vie. Je l'ai rêvé et j'ai osé. Ça a été avec pas mal de difficultés. Mais comme je suis un acharné, jamais je lâche prise. Donc, je vis mes rêves. Et le travail que je fais actuellement, je l'ai imaginé et je me suis donné les moyens et... pareil, j'ai dû naviguer à contre-courant, mais en fin de compte, ça l'a fait. En fait, je me sens partout chez moi. Mes racines, c'est partout, c'est l'humain. J'ai eu un héritage par mes parents. Ma vie s'est passée sur deux mondes différents, deux continents différents en deux temps. Dans un premier temps, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, dans un monde où j'étais promis à une vie agréable dans le monde du livre. J'ai intégré, très jeune, j'ai intégré l'école coranique, aidé par... mes parents qui ont évolué dans ce monde. En fait, ouais, mon père a joué vraiment un rôle central et au-delà de lui, le monde dans lequel il évoluait. C'était quelqu'un qui... mon père a eu une enfance un peu difficile dans le sens où il était promis à une... c'est une espèce de reproduction. Il était promis à un avenir de lettré et il va se retrouver ouvrier. C'est,
Il va intégrer l'école coranique, il va apprendre le Coran par cœur. Et au moment d'intégrer la faculté Qaraouine de Fès, eh ben, c'est pas possible, il va devoir gagner sa vie. Et il va se retrouver dans les mines de Jradat, il travaille dans le charbon. Puis il y a une période de sécheresse dans l'Est marocain, et c'est dans les années 70, c'est la région qui a donné le plus d'immigrés. C'est comme ça qu'il va se retrouver dans le Nord. Il va travailler dans les mines de charbon du Nord une fois installé, il va nous faire venir. Et en fait, voilà, c'est le monde où il a grandi au pays, les gens qui l'entouraient, mes aïeux, et au-delà, le village d'où il vient. En fait, nous venons d'un village entouré de montagnes et nous avons eu la chance que les terres autour de nous ne soient pas cultivables. Donc les gens étaient soit pasteurs, gardaient les chèvres, ou allaient à l'école coranique. Et voilà, et soit bergers, soit lettrés. Et beaucoup le sont, les deux. Ouais. D'ailleurs, gamin, j'ai fait le berger. Mais voilà que cette vie, ce mode de vie, a très vite changé du fait d'être venu ici, en France. Je suis venu avec mon père qui lui nous a fait venir ici, et du coup je me suis retrouvé dans un autre monde dans lequel je n'avais pas entre guillemets les codes, il a fallu les réapprendre, donc une nouvelle vie. Et mais voilà, quand je parle de chance, c'est cette première vie où j'étais dans un monde élevé dans un monde du verbe, et incroyable, bien plus tard que je vais me rendre compte de cette chance. Dans un premier temps, il y a eu une période où il a fallu de déséquilibre, où il a fallu trouver les points de repère, et une fois trouvé, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé. Ouais, c'est cette capacité à rêver sa vie, ouais, et de croire à ses rêves, et se donner les moyens de les réaliser. Je grandis dans un monde du livre, je suis comme un poisson dans l'eau. J'arrive en France, je ne parle pas français. Et du coup, le livre va jouer un rôle central, parce que je vais, pour m'outiller, les enseignants qu'il y a autour de moi me conseillent de lire. Je vais commencer à lire, et dans un premier temps, je ne comprends pas ce que je lis. Et je continue à lire quand même, on me dit de continuer à lire, et je continue à lire. Et en fin de compte, c'est cette bouée de sauvetage qui va me permettre de retrouver mes repères. Je vais lui rendre hommage, je vais la partager avec les autres. Et c'est comme ça que je finis par travailler dans le monde du livre. Alors, c'est comme une espèce de prise de conscience, c'est comme un cheminement. Ça a toujours été au fond de moi, mais ce travail, c'est comme quelque chose qui est pas visible, et qui est là, mais qu'on ne voit pas. Mais au fil du temps, des années, des lectures, des rencontres, les choses s'éclairent de plus en plus. Et le cheminement, il est là. Et c'est toujours un plaisir. Du coup, moi, je me réveille avec le sourire, et ça fait des années que je mets plus de réveil. Et c'est incroyable, ça me rapproche des autres, j'ai un autre regard sur les autres. Je réalise un peu l'état dans lequel j'étais au fil du temps, comment ça évolue. Et je me dis, le chemin s'éclaire, plus je me sens apaisé, à l'aise, plus j'ai l'impression que le monde est à l'aise autour de moi. C'est la cabane de tous, ça se veut une librairie de quartier, et c'est ouvert à tout le monde. Et donc voilà quoi, c'est important. C'est un lieu où tout le monde, du moins ceux du quartier, puis les visiteurs du quartier aussi, trouvent leur compte. Et les livres que je mets sur les étals de la boutique sont les livres que j'aime, et c'est des choses que je partage. Et quand je conseille un livre, c'est que j'essaie de voir si la personne est susceptible ou réceptive.
voir le profil de la personne et lui proposer un livre qui lui correspondrait. Mais tout en étant dans le registre de ce qu'on aime. Proposer une lecture, c'est être loin de l'esprit boutiquier, c'est un partage, c'est une expérience, c'est juste un sillon d'ouvert. Il faut que chacun continue le sien. Pour moi, la lecture, c'est cette activité réparatrice qui permet de découvrir les histoires et les mythes. Voilà, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est l'histoire, des histoires dans le sens conte, les mythes. Et nous sommes, nous autres humains, tous, tout autant qu'on est, chacun a son histoire et notre histoire, elle est commune. Et voilà, et le Coran, c'est des histoires. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est « Wanaqussu alayka ahsanil qasas ». C'est « Nous allons vous conter les meilleures des histoires ». Et donc, quand je lis l'histoire de Sidney Youssef, de Joseph, c'est incroyable cette histoire. Et au-delà, quand, par exemple, je lis, je ne sais pas moi, par exemple, l'histoire de cet artisan sculpteur dont parle Eric Di Luca dans La nature exposée, ben ouais, on est dans le même monde, dans le monde des histoires, le monde des contes, des mythes qui nous construit tous. Ouais, ça se situe à ce niveau-là. Alors, un livre, il faut qu'il raconte une histoire. Et c'est voilà, une histoire qui est tournée vers les autres et qui ouvre. Et en même temps, qu'il ait une musique, une musicalité, que ce soit un plaisir pour l'oreille, pour le cœur, pour l'ouverture vers les autres. C'est toutes ces choses-là réunies dans un livre et c'est en l'ouvrant. Il y a des livres avec qui on fait un chemin et d'autres, ben non, ça s'arrête. Donc voilà. L'histoire du Maktoub, c'est un peu cette histoire des événements qui nous arrivent dans la vie et qui nous dépassent. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et rien n'est au hasard. Il y a des choses qui sont là, mais qui sont écrites de par notre histoire, de par notre personnalité, de par notre héritage et ce qu'on en fait. Pour moi, Maktoub se situe à ce niveau-là. Et on peut gérer son Maktoub, l'influencer par la qualité de vie que l'on se donne au quotidien. J'écris mon histoire au quotidien, du moins pour moi. Ouais, il y a de l'écriture, mais différemment. Elle est là, elle est dans la vie quotidienne. Elle s'inscrit dans ce qui se passe au quotidien, dans les interactions avec le monde dans lequel j'évolue. Mon histoire, elle est écrite avec les enfants que j'ai connus, qui sont venus, elle est écrite dans leur esprit, dans le mien. Voilà, quoi. C'est une écriture. Le monde est à plusieurs niveaux. Il y a le visible, l'invisible, et il y a cette écriture, ouais, c'est l'écriture du vivre ensemble. Ouais, c'est une écriture aussi. Autrefois, plus jeune, je me disais, ouais, moi j'aurais des enfants. Je me disais, j'aurais des enfants, mais je vais attendre d'être un peu mature pour avoir des enfants. Parce que je ne veux pas avoir des enfants ou parce que je considérais comme j'étais pas outillé pour leur offrir une vie comme je voudrais qu'ils aient. Peut-être une conscience pas assez éclairée ou je sais pas. Bref, je pensais qu'il fallait être outillé. Au fil du temps, ça n'a pas eu lieu. Et puis, avec le recul, je me dis, ouais, mais si ça n'a pas eu lieu, c'est que j'avais autre chose à faire. Ils auraient été là, ils auraient été les bienvenus. Ils ne sont pas là et il y a plein d'autres enfants autour de moi. Donc, et puis, le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Moi, il m'arrive un truc, mais incroyable, c'est... J'ai ouvert cette boutique, la librairie, et
Parfois, je suis comme ça, vers 4-5 heures à la sortie des écoles, et je vois des mamans ou des papas passer avec des enfants, et tout d'un seul coup, le gamin tire sa main comme ça, et il rentre en courant dans la librairie. Et c'est un super cadeau, quoi. Et je dis, ouais, ben voilà, ils peuvent tous aller se rhabiller. Je ne suis pas dans la trace, je suis dans l'instantané. Je vis ici et maintenant. En fait, je ne me vois pas laisser de traces. Moi, ma vie, elle se passe ici. Et ceux qui se rappellent de ce que j'ai vécu avec eux, c'est ceux du monde dans lequel j'évolue. Et on vit ensemble maintenant, ici. Puis demain est un autre jour. Les meilleurs moments, c'est quand il y a une espèce de fébrilité ou un manque de confiance en soi. Ça permet d'aller voir au plus près. Et il y a une espèce de sentiment, espèce de sentiment de fébrilité où on n'est pas sûr de soi, quoi. C'est plutôt le sentiment de ne pas être sûr de soi. Et en général, ça permet d'entrevoir des choses qui ont échappé, d'être humble pour organiser la rencontre. Et en général, ça se passe vraiment bien. Et quand je vis ce moment humble et qu'il se passe des belles choses dans la rencontre, voilà quoi, c'est la réussite. Et après une journée comme ça, je dors 8 heures d'affilée. En fait, quand il arrive des choses qui ne vont pas, j'essaie de... Ouais, c'est une leçon, c'est une prise de conscience. Parce que je suis persuadé que les choses nous dépassent. Et moi, je vis ce qui m'incombe. Non, il n'y a pas de journée pourrie. Tout est construction. Tout moment, toute difficulté permet de se construire. Et c'est rater ce moment de pouvoir transformer ce qui peut arriver en joie, c'est juste passer à côté. Donc, je le dis maintenant, j'ai avec quelques années de vie. Autrefois, peu de choses me chagrinaient, mais il n'en est plus question. Je ne laisse pas place. Je profite de toute situation incongrue ou une difficulté quelconque pour y voir ce qui peut m'apporter ce qui pourrait me faire avancer. Avancer, ne pas perdre mon temps, que ma vie ne soit pas un moyen, mais une vie, la vivre complètement. Moi, je pense, enfin, pour moi, il est facile d'être en joie tout seul. Hein. C'est partager qui est vraiment... c'est quand on est dans le partage, on est dans la vie. La joie, elle a toute sa place. Le plus beau des livres, c'est la nature. La nature, non, c'est incroyable, ça. Ça régénère, écouter le silence. Écouter le silence des arbres, écouter les oiseaux, écouter ce qui nous entoure, puisque respirer la majesté d'une montagne, vivre la dimension sanctuaire d'une forêt, c'est incroyable. Et en plus, la nature, c'est pas comme nous, elle a pas besoin de jouer un rôle, elle est. Les arbres sont, et pouvoir les regarder, les écouter, c'est des moments de quiétude. C'est régénérant. Thank you.
Nous sommes en 1992 et j'ai 20 ans. Je vis une histoire d'amour avec un jeune français. Moi, je suis espagnole de Barcelone. Et c'est les Jeux Olympiques à Barcelone. À ce moment-là, voilà, notre histoire d'amour, elle est dangereuse. On s'aime et on se déteste. Et c'est l'amour fou, c'est passionnel et on se fait du mal. Et en même temps, on revient et on casse et on revient. Je me dis, c'est l'amour. Et puis, dans une de ces ruptures, moi, je faisais des études d'histoire de l'art et on m'a dit qu'il y a un projet de. On m'a dit qu'on me propose de participer à un projet culturel à Sarajevo. On va partir à Sarajevo pour faire du graffiti. Voilà. Alors, je me dis, Sarajevo, cette ville est en guerre. Elle sort d'une guerre, plutôt. On va dire qu'elle est en guerre parce que c'est la guerre des Balkans. Donc, la guerre s'est déplacée. Elle n'était peut-être pas à Sarajevo, mais elle était déjà au Kosovo. Donc, moi, j'ai dit, comment ça on part pour un projet culturel. Mais évidemment, j'ai dit, j'y vais. Pourquoi j'y vais? Parce que j'aime l'art, parce que... je veux fuir. Je ne sais pas quoi, mais je veux fuir. Donc, pour moi, fuir par l'art, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, je monte dans ce bus avec tous ces jeunes qui font du graffiti dans la ville, dans les rues de Barcelone. D'ailleurs, certains, ils ne vont pas pouvoir partir parce qu'ils n'avaient pas de passeport, parce que c'était des jeunes de la rue. Et que l'institution, les gens de la mairie qui avaient organisé ce voyage n'avaient même pas pensé que ces jeunes n'avaient même pas de passeport, en fait. Et là, c'était le décalage. Moi, j'ai 20 ans, je ne comprends pas encore tous ces décalages entre la rue, l'art, les institutions, ceux qui font les projets. Mais moi, je suis centrée dans mon histoire d'amour qui ne va pas bien et que je dois fuir. Je monte dans le bus et je pars à Sarajevo. Là, je vais rencontrer la vie, je vais rencontrer des êtres en souffrance et je vais rencontrer des êtres qui ont la même souffrance que moi. Je ne comprends pas, je le comprendrai beaucoup plus tard, mais tout de suite, je rentre en lien avec ces personnes. Je comprends qu'il y a un décalage, moi, je suis accueillie, je suis acceptée et pas les autres, pas ceux qui étaient avec moi. Les artistes, ils sont concentrés sur leur art. On va dire, ceux qui avaient créé le projet et les politiques, ils sont concentrés sur leur travail. Et moi, je plonge avec ces êtres qui m'accueillent chez eux. Je vais vivre chez eux, je vais manger avec eux, je vais souffrir avec eux. Et petit à petit, ils vont commencer à me raconter leur guerre. Sarajevo, ils ont vécu pendant 4 ans dans le siège. Ils ont vécu surtout avec toute la communauté internationale qui voyait ce qui se passait, qui pour eux ne faisait rien. Et petit à petit, je vais rentrer en contact avec ces étudiants de l'école des Beaux-Arts, des étudiants qui avaient 15, 16 ans et qui ne comprenaient pas, qui étaient vraiment en colère parce qu'ils avaient été abandonnés par le monde extérieur. On est dans une époque où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas les nouvelles technologies, donc ils se sont vraiment abandonnés. Et je vais créer une relation avec un jeune homme d'amitié
je vais partir, je vais retourner à Barcelone et pendant 20 ans, on va s'écrire. On va changer des lettres et sans me rendre compte, je vais devenir un soutien pour lui. Aujourd'hui, ce jeune homme écrit et fait des BD pour Casterman. Ça a été un long chemin qu'il a fait tout seul. Et sur ce chemin, qui est un chemin d'amitié, on s'est énormément pris la tête. En fait, il ne voulait pas de ma pitié, il me renvoyait par écrit. Et moi, j'ai retourné et il y avait quelque chose qui nous connectait. Je ne sais, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, pour lui non plus. Et 20 ans après, il est venu à Paris et là, on s'est parlé. Et je lui ai raconté mon histoire aussi dans ma famille et il m'a dit « Mais Sandra, c'est terrible ce que tu as vécu. » Et à ce moment-là, j'ai dit « Mais j'ai rien vécu, toi tu as vécu la guerre. » Et il m'a dit « Moi j'ai vécu la guerre, mais dans l'amour. » Et j'avais l'art, les dessins pour apaiser ma colère et pour apaiser ces moments de souffrance que j'avais vécu. Et toi, tu vivais la guerre au sein de ta famille. À ce moment-là, j'ai compris... pourquoi on s'était rencontrés et j'ai compris comment entre les êtres humains on peut s'entraider sans vivre les mêmes choses. Écrire, c'est exister. Écrire, c'est travailler sa souffrance. Écrire, c'est empêcher la colère de sortir parce qu'on la sort avec des mots. Écrire, c'est dire à quelqu'un « je t'aime » quand il n'est pas à côté de nous. Écrire, c'est vivre, c'est jouer, c'est avancer, c'est grandir. Écrire, c'est tout, en fait. Mais pour moi, on n'écrit pas qu'avec des mots. C'est pour moi important parce que écrire... voilà, on peut écrire aussi un dessin. Quelque chose de ce que je lis, là par exemple, « Vivre avec nos morts ». Pourquoi j'ai pris ce livre? Je l'ai pris parce que ma mère était mourante. Et pour moi, la lecture, c'est quelque chose qui m'accompagne à chaque étape de ma vie. Et je regarde autour de moi et je ne sais pas comment ou pourquoi. Là, peut-être le titre parlait quelque chose. Et voilà, j'ai le prix, il m'a accompagné ma mère à la mort. Mémoire, c'est garder les souvenirs. L'être humain, on dit en neurosciences aujourd'hui qu'il garde les mauvais souvenirs pour ne plus retomber dans les pièges qu'il a vécu. C'est aussi la mémoire traumatique. À un moment donné, c'est tellement dur de vivre ce qu'on vit qu'on efface. Et du coup, on n'a plus de mémoire. Donc la mémoire, c'est pour moi quelque chose qui est flou. Parce qu'on n'a pas tous la même mémoire. Et en même temps, la mémoire, c'est essentiel pour exister. Mais il y a quelque chose qui reste profondément gravé sur moi, c'est... un jour, il y avait une grosse dispute chez moi, dans ma famille d'origine, avec mes parents. Et j'étais dans la plus grande colère, et j'étais en larmes, et je suis partie de chez moi. J'étais assise sur un banc, en train de pleurer. Et là, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a regardée et qui m'a dit « Je ne sais pas ce qui vient d'arriver dans votre vie ». Mais ça mérite pas les larmes que vous, ça mérite pas les larmes qui coulent dans vos yeux. Cette personne qui me connaissait de rien, qui était de passage, il s'est arrêté pour me dire ça. Je l'ai encore. Et des fois, quand je vais pas bien, j'y pense. Et ça a été, voilà, ça m'a sorti à ce moment de cette souffrance. Un instant pour moi, un instant de libération, ça a été le moment où ma mère était terriblement dure avec moi et je ne sentais plus de souffrance, mais de l'apaisement.
Parce qu'à ce moment-là, j'étais connectée au reste du monde. Je n'étais pas seule. Et j'accueillais sa souffrance à elle pour essayer d'en faire quelque chose. Et un instant de liberté, ça a été aussi le moment que j'ai pu produire cette souffrance que j'avais en moi. Moi, en tant qu'artiste, à ce moment-là, je l'ai fait à travers l'image, la photographie, mais mettant moi-même en scène sur des photographies qu'après j'ai pu regarder. Et j'ai compris que je pouvais me regarder de l'extérieur et voir la souffrance et m'en débarrasser. Donc, c'était vraiment un moment de libération et en même temps de liberté, d'aller plus loin. Et en même temps, un moment de libération et de liberté parce que j'ai pu partager avec d'autres. Et par cette photo, quelque part, j'ai pu montrer les blessures que j'avais en moi qui n'étaient pas apparentes. Je pense que je suis devenue la femme sans blessure apparente. Qui portait cette grâce et lumière qui me tenait en vie. Parce que aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai les cheveux blancs, c'est normal. Mais j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, je pense que je devais avoir 12 ans. Donc aujourd'hui, tant que thérapeute, quand j'accueille les jeunes de 12 ans, la première chose, c'est que je vais les observer. Je vais les observer pour comprendre qu'est-ce que leur corps raconte. Je pense que les cheveux blancs commençaient à raconter quelque chose. C'était une souffrance. Et finalement, c'était ces cheveux blancs qui donnaient cette lumière, qui permettaient qu'on me voie de l'extérieur. La grâce, étant de la culture espagnole, la grâce, c'est ce qu'on appelle en flamenco le duende. Et le duende, c'est ces moments qui arrivent. Qui est magique aussi, c'est un moment, d'autres pourront aussi peut-être dire un miracle, la grâce et le duende, c'est un moment magique qui se passe à un moment donné et on ne sait pas pourquoi. Et la grâce, c'est différent. Voilà, la grâce, c'est un moment de magie qui apparaît de nulle part parce que. Il y a des choses qui vont se lier ensemble, des êtres, des sons, des musiques. Ils vont créer ce moment magique que tout le monde va se rappeler. Et aussi, c'est ce moment où ceux qui vont vivre ce moment vont avoir l'impression qu'ils étaient un peu ailleurs. Moi, j'ai dit que pour moi, un moment de grâce, c'est un moment où on est dans un état modifié de conscience, aussi une espèce de transe. Des fois, c'est conduit par quelqu'un qui rentre dans la pièce et qu'on va dire, elle a cette grâce, peut-être aussi cette lumière. Et dans le flamenco, par exemple, c'est le duende, c'est ces moments qui va se créer entre quelques danseurs, quelques musiciens qui, sans s'être mis d'accord sur quelque chose, ensemble, ils vont créer un moment unique. Ces moments de magie qui s'opèrent autour de quelques personnes. Il est magique, il est unique, il faut le saisir. Et en même temps, oui, il peut être dangereux si on ne sait pas l'accompagner, si on ne sait pas le saisir et comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Parce que ces moments de grâce et ces moments de duende donnent à ces personnes un pouvoir. Incroyable, un pouvoir très fort. Alors, donner à l'être humain ce pouvoir est dangereux. Ça veut dire qu'on est tous dangereux. On est tous dangereux. L'art est dangereux, l'artiste peut être dangereux aussi pour lui-même. Très facilement, on va dire, ah, l'artiste, il est écorché vif. Moi, des fois, j'en veux même aux critiques d'art, aux commissaires d'expo, aux gens qui vont parler de l'art et qui vont sublimer l'art, parce que pour d'autres, ça peut être dangereux qu'on le sublime, parce qu'il y a ce danger dans ce moment de grâce, hein, parce qu'un artiste est aussi dans cette souffrance. Alors, pour lui, cette souffrance, peut-être, elle est utile, et pour d'autres, qu'il ne va pas saisir, peut se mettre en danger, ou peut être dangereux pour lui ou pour les autres.
Moi, je... Tous les jours, quand je me réveille aujourd'hui, en sachant ce que j'ai vécu, je me dis que... On est tous venus au monde pour quelque chose. On peut être de passage, ou on peut se dire, j'ai envie de donner du sens. Et pour moi, quand j'ai compris ça, pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est essayer de collaborer, contribuer avec les autres, avec tout le monde, pour baisser la violence dans notre monde. Et cette violence, c'est aussi ma violence. Donc tous les jours, tous les matins, j'ai dit bonjour à ma violence et j'essaye d'être plus sympa avec moi-même. Et en étant plus sympa avec moi-même, je suis dans le chemin d'essayer de respecter tout ce qui est autour de moi. Voilà, la nature, les animaux, les êtres humains, ma famille, mon conjoint, mes collègues. C'est très difficile, j'y travaille tous les jours, personne n'a dit que c'est facile, mais ensemble, on peut y arriver. Et un de mes outils, c'est la créativité, l'écriture, la photographie, le dessin. Mon regret... Oui, le regret, peut-être le regret, c'est je sais pas. Ouais, peut-être le regret, c'est pas avoir eu le courage de prendre la parole ou faire ce que j'ai fait avant. Mais je n'étais pas prête. Donc, finalement, c'est sans regret. Mais c'est quelque chose qu'on doit aussi apprendre. Il y a un temps pour tout. Et reconnaître et savoir qu'on peut avancer, mais qu'on a besoin des autres aussi. C'est important. Thank you.
J'ai travaillé au couvent de Saint-Lô-sur-Aujon. Oui, à l'âge de 15-16 ans, je me suis occupée des bonnes sœurs qui restaient. Il n'y en avait plus beaucoup. Il y en avait 4 dont on s'occupait vraiment. Il y en a certaines qui étaient alitées, donc je n'avais jamais fait ça de ma vie. À la base, la mère supérieure m'avait demandé si ça m'intéressait de faire du ménage. Donc moi, j'ai dit oui, hein, ça peut être... Ça, quelques sous hein, quand on est et puis quand je me suis retrouvée avec celle qui m'a appris on va dire à m'occuper des bonnes sœurs je me suis rendu compte que c'était vraiment pour les accompagner enfin les laver leur donner à manger etc donc voilà sans formation sans rien du tout j'en garde un bon souvenir hein. C'était pas évident au début, hein. Je vous avoue que quand on a 15 ans, quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, je suis pas sûre de continuer. C'est quand même, c'était spécial, hein. Sans formation, sans rien. Mais j'ai eu une bonne formatrice, on va dire, qui m'a montré des techniques, des besoins. Et puis ça ne me déplaisait pas de m'occuper d'elle. Hein. Après, on s'y attache aussi. Je suis restée quelques années. Elles étaient attachantes, hein. C'est vrai qu'on s'occupait d'elles tous les jours. Elles nous racontaient un petit peu leurs histoires, leur vie. Des fois, elles râlaient aussi. C'est vrai que c'est compliqué. Elles retournaient un peu en enfance. Hein, donc, tout le monde, il y en avait deux que je n'ai pas vraiment connues parce qu'elles étaient vraiment alitées. Je pense qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qui se passait autour d'elles. Quand je suis arrivée, j'ai quand même hésité à rester parce que c'était dur de les voir alités comme ça, sans bouger, presque sans vie quoi finalement. Donc, quand on nous demande ce qu'on veut faire quand on est tout jeune, c'est pas évident. Hein. Il y en a pour qui c'est facile, ils savent. Dès l'enfance ou dès l'adolescence, ce qu'ils veulent faire, mais c'est vrai que c'est pas évident. À la base, quand je suis allée à la fac, au tout début, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais presque être instite. Alors je sais pas pourquoi, parce que du coup, je suis pas du tout pédagogue. C'est pas du tout mon truc. Donc toujours des métiers de la route hein, quand même, hein, parce que j'ai fait vendeuse en boulangerie, mais en camion. Et après, en fruits et légumes, pareil, en camion, donc toujours sur la route. Et j'ai eu l'occasion, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, on va dire, à rentrer à la poste. Voilà. Enfin, qui m'ont un petit peu appuyé, parce qu'il y a beaucoup de candidatures, donc ils ont un petit peu appuyé derrière. Je me suis rendu compte que c'est tout ce que j'aime en fait. Hein. D'être sur la route, d'être toute seule, d'être autonome, pas de chef derrière le dos, c'est bien aussi. La relation avec les gens, surtout dans les campagnes, parce qu'après j'ai été factrice aussi en ville, c'est complètement différent. Ah oui. Ça n'a rien à voir avec les relations qu'on a ici sur les tournées. C'est... En ville, j'avais pas de relation du tout avec les clients, mis à part bonjour quand on emmène un colis à commander, bonjour, au revoir. Il y a pas de. C'est pas du tout la même chose qu'ici. Quand je croise les gens, tout le monde sait comment je m'appelle déjà. Les gens, ils m'appellent par mon prénom, donc c'est plaisant, c'est agréable. Et puis moi aussi, du coup. Les gens que je connais, des fois, ça va être marqué « Bisous la factrice », c'est rigolo, c'est sympa, ouais, ça fait plaisir. Alors là, beau, j'espère. Par rapport à mon boulot, là, je le vois pas trop trop bien, parce que ouais, c'est un petit peu compliqué à la poste. Ouais, mais bon... Les réorganisations, etc. Il va y en avoir une là au mois de mars, donc c'est pas en bien. Après, on va s'adapter, hein, on n'a pas le choix. En 10 ans, ça fait pas longtemps, mais oui, ça a beaucoup changé. Pas en bien. Hein.
pas. Ouais, c'est... On est de plus en plus chronométré, de plus en plus. Ils chargent de plus en plus les tournées. Ça devient un petit peu compliqué, on va dire, du coup, d'avoir un. La relation avec les clients change, du coup. Mmh. On a moins de temps à consacrer. Donc c'est dommage. Ah ben là, oui, il y a une diminution du courrier quand même assez flagrante, surtout depuis la crise, depuis le Covid. Le taux qu'ils annonçaient en fait en 2025, donc la diminution qui elle est déjà là à l'heure actuelle. Hein, donc au niveau du courrier. Après, au niveau du genre de courrier, pas trop de différence, toujours beaucoup d'impôts. Après, on a toujours, on dit que les gens n'écrivent plus, mais on distribue encore beaucoup de cartes. Hein. Moi, j'essaye de pas y penser. J'avoue que après tout ce qui est même la crise climatique, etc. On voyage, hein, on prend l'avion, on prend nos voitures, on contribue aussi un peu à tout ça, mais bon, c'est difficile maintenant de revenir en arrière, justement. Donc après, le reste, les épidémies, etc. J'y pense pas. On essaye de vivre au jour le jour, et puis voilà. Voilà, les gens vont mieux quand même depuis. Parce que pendant le Covid, c'était pas. Déjà, on voyait pas les gens. On voyait plus les gens. On allait au moins possible au contact des gens, donc on n'avait plus le droit de rentrer chez eux ni rien, donc c'était moins bien, on va dire. Oh, là, il y en a peut-être mon mariage déjà. Ça a duré à peu près 3 jours. On est des fêtards. Hein. La naissance de mes neveux, de mes nièces. Les journées en famille, souvent, ça fait partie des bonnes journées où on se couche le soir, on se dit on a passé une bonne journée, ça fait du bien. Et puis on est 3 sœurs, on est toutes les 3 dans le coin ici, donc on se voit souvent, on est quand même très proches. Je suppose que ça existe, les coups de foudre, mais après, je pense que c'est plus la vie, les moments passés ensemble, etc., qui font que on se rend compte que c'est la bonne personne. On n'avait jamais voyagé, mis à part en France, avant ça. Donc on a démarré par un gros voyage quand même. Et là, on part demain en Tunisie. Là, on ne prépare rien du tout sur place. On ne programme pas, on prend la voiture et puis on se rend bien compte de la misère parfois de certains pays par rapport à chez nous. On se rend compte des différentes cultures. Parce que oui, on est quand même un pays où on a quand même des avantages sociaux, etc. Mais quand on va dans d'autres pays, on a l'impression qu'ils ont la vie tellement plus belle et plus facile finalement. Plus cool, plus que du coup, c'est pas trop. Ah oui, je pars quand je vais faire une marche, je pars pour faire 10 km. Ouais. Après, après aussi avec Alexandre quand même, hein, quand on part justement dans les pays ailleurs ou même en France, hein, faire des randonnées, ça c'est quelque chose qu'on aime bien aussi. Enfin, moi surtout. C'est des moments préférés, aussi. Hein, ça, la marche, partir marcher toute seule. Bon, après, je suis pas contre faire des marches avec d'autres personnes aussi, hein, mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis toute seule. On pense un peu à tout, ce qui se passe, tout. On se repasse la journée, des fois, dans la tête. On pense au lendemain.
on pense, quoi. Non, là, pour l'instant, non, je suis bien. Mon métier me convient, pour l'instant. Non, après, les regrets, de toute façon, ça sert à rien. Hein. Enfin, ça sert à rien. Faut avancer, et puis... Par contre, j'ai plus de des envies de voyager, un rêve. Ah ben j'aimerais, si je pouvais faire le tour du monde, ça fait rêver, ça donne envie. On aimerait bien. Ben, on dit toujours, hein, quand on sera en retraite, de toute façon, c'est le but d'aller vadrouiller, sillonner les routes de différents pays. Oser partir. J'ai déjà été filmé plusieurs fois. Alors, il y a deux grandes catégories. J'ai été filmé plusieurs fois par des médias qui te disent en général vous avez 2 minutes et 12 secondes pour raconter votre vie et nous dire l'enjeu de votre exposition. Soyez concis, précis, n'utilisez pas de mots ambigus, etc. 2 minutes 14. Ok. Donc, en général, je fais en moins de 2 minutes 14 pour aller. Et puis dans d'autres cas de figure, j'ai été filmé par des réalisatrices, jamais par des hommes, je ne sais pas pourquoi, qui s'intéressaient au type de bonhomme que j'étais. Donc il y a des films de moi où des réalisatrices me demandaient, enfin une réalisatrice en particulier, me demandait de raconter qui j'étais. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Je crois beaucoup à la conversation. Je crois beaucoup
que ce qui va nous aider peut-être un jour à sortir de la barbarie, c'est la capacité qu'on va avoir de se parler, de s'écouter et de se parler. Et ce que je crois moi, mais parce que je suis, parce que je mélange un peu le taoïsme, le bouddhisme et le je m'en foutisme, comme je mélange un peu tout ça, je pense que pour arriver à converser avec les autres, il faut être capable de converser avec soi-même. Donc je passe beaucoup de temps à converser avec moi-même, j'écris des petites choses, je lis beaucoup d'auteurs, je converse avec moi-même, et il me semble que ça me donne une forme de paix qui du coup fait que j'ai moins peur de moi, j'ai moins peur des autres. Je pense que ce qui va nous sortir du malheur, c'est la capacité qu'on a de se parler. Pour ça, j'ai besoin des autres, parce que les autres m'amplifient, quelquefois ils m'agacent aussi, j'ai des envies de meurtre un jour sur trois. Voilà, donc pourquoi j'intéressais les gens, parce que ces personnes-là, peut-être parce que parfois, le fait qu'ils me posent des questions et que j'y réponde leur permettait à eux-mêmes d'y voir plus clair. C'est un moment compliqué dans l'histoire des idées, qui est que si tu ne penses pas comme moi, tu es nécessairement un ennemi. Alors que la conversation, c'est le contraire. C'est apprends-moi pourquoi tu ne penses pas comme moi et essayons de faire de ça un espace de liberté pour l'un et pour l'autre. Mes idées ne valent pas mieux que les tiennes, mais apprends-moi comment tu es arrivé à penser ce que tu penses pour que je comprenne mieux. Et si cette capacité de converser entre nous sans passer immédiatement par les armes est possible, alors il y a un futur. Si on perd ça, il reste la guerre civile. Ouais, ça me fait vraiment peur. Donc je pense que c'est un engagement, la conversation. C'est le travail qu'on essaie de faire avec Rachel dans les manifestations qu'on essaie d'organiser, sont pensées pour que, quand le visiteur rentre, un, il se sente respecté, deux, il se sente appelé à donner son point de vue sur les panoramas imaginaires qu'on propose, trois, qu'il se sente autorisé à être lui-même, sans accepter d'être jugé. C'est ça qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on y arrive? J'en sais rien, mais c'est vraiment ça le sujet. On ne fait pas des manifestations pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. On fait des manifestations pour dire aux gens, regardez comment pensent les autres, regardez et profitez de cette grâce pour penser par vous-même. Il est de plus en plus difficile dans cette période-là de dire ce qu'on pense. Je vais te donner un exemple et j'espère qu'il ne va pas te faire fuir. Parce que chaque fois que j'ai parlé de ce dont je vais te parler, j'ai provoqué des réactions négatives. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé activement, très activement, à des actions. À l'époque, l'avortement était interdit, à des actions d'organisation de voyages de filles qui voulaient avorter. J'organisais des voyages sur la Hollande, puisqu'à la base c'était possible, tout ça en clandestinité. Donc j'ai activement participé à toutes les manifestations de l'époque pour la libération, pour l'ouverture de la loi, à la liberté de l'avortement. Donc clairement, idéologiquement, je suis pour que les femmes disposent de leur corps. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais, dans mon âme, je ne supporte pas l'idée d'avortement. Je la respecte, je l'admets, mais ça me donne un chagrin immense. Je ne sais pas expliquer ça. Alors, si je dis ça, on va dire, ouais, mais bon, c'est normal, c'est un mec conservateur. Mais je suis partagé entre deux choses, entre la reconnaissance du droit absolu de défendre cette prérogative des femmes, de disposer de la vie et de disposer de leur corps, puisqu'elles ont le pouvoir d'enfanter, qu'elles aient aussi le pouvoir de décider.
Mais dans mon âme à moi d'homme, j'éprouve un grand chagrin. Voilà. La première chose que je pense, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est pas pire que le monde d'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Il est différent, mais il n'est pas pire. C'est-à-dire que les guerres, les conflits, la manipulation des peuples, ça a toujours existé. Que les jeunes générations remettent en question les générations précédentes, c'est normal, ça va de soi. D'autant que pour des gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, le testament de leurs parents n'est pas si glorieux. Hiroshima, c'était en 44, le goulag, idem, et l'Holocauste, idem. C'est-à-dire qu'un adulte d'aujourd'hui, qui a entre 50 et 90 ans, ne peut pas dire à un jeune « je vous ai laissé un monde en ordre ». Il peut juste dire « je vous ai laissé une poubelle remplie à ras-bord, démerdez-vous avec ». Mais les dégâts, je les vois tous les jours, hein, comme toi. J'habite à la campagne, les arbres sont en train de mourir, la forêt est en train de mourir. Et tu vois bien que les cycles naturels sont foutus, que plus personne ne comprend ce qui se passe, que les paysans qui avaient des repères particuliers les ont perdus, que les animaux sont aux fraises, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a des générations entières qui ne savent même pas comment envisager la question de la transmission à leurs enfants et à leurs petits-enfants. La transmission de valeurs, je veux dire. Parce que notre bilan n'est pas glorieux. Donc, quand on se fait remettre en place par des gens qui disent « vous avez gâché notre avenir », c'est très compliqué de prouver le contraire. Sauf si on se réfère aux arts, à la littérature, à la poésie, qui sont des universaux, et on a toujours intérêt à relire des textes anciens. Le monde a été terrible en l'Antiquité, mais il y a des immenses auteurs, comme Ovid, comme Hésiode, qu'il faut continuer à lire. La poésie persane est une des poésies les plus fabuleuses qui existent. La Chine ancienne a produit des esprits qui ont dit des choses qui continuent à nous éclairer aujourd'hui. Donc, sauf du point de vue des arts, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a dans notre patrimoine qui est bien, excellent, et ça passe, à mon avis, par la création, par la littérature, par la poésie, par la musique, etc. Et à cet endroit-là, nous, on a une place légitime. Il y a un certain nombre, par exemple, d'écrivains, d'intellectuels orientaux ou occidentaux qui ont décidé que le suicide était la solution. Et moi, pendant longtemps, et ça continue, le matin, quand je me réveille, je me demande pourquoi je ne me suicide pas? Est-ce que j'ai des bonnes raisons de ne pas me suicider? Compte tenu de tout ce que tu viens de dire, et que les politiques nous mentent, que le capitalisme est hors de contrôle, que la barbarie se généralise, que le niveau de la misère n'a jamais été aussi grand, alors que les progrès n'ont jamais été aussi grands en même temps, que bon, okay. Pourquoi je ne me suicide pas? Et comme j'ai trouvé des réponses à pourquoi je ne me suicide pas aujourd'hui, ces réponses, elles sont extraordinairement triviales. J'aime des gens, il y a des gens qui m'aiment. Si je me suicide demain en me pendant un arbre ou en m'électrocutant ou en me jetant sous un bulldozer ou je ne sais quoi, je vais créer du chagrin autour de moi et je n'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de ça. Il y a quand même de belles choses à dire, il y a quand même de belles choses à écrire, il y a quand même plein d'histoires d'amour à vivre, et je vois pas au nom de quoi je m'en priverai, même si la catastrophe est en cours. En clair, je préfère aller à la catastrophe joyeusement que pas. En ce moment, je suis en train de nettoyer ma bibliothèque, donc je jette des livres, j'en donne et j'en garde. Dans un des livres que j'ai sorti, c'est l'album d'Auschwitz. C'est un album de photos, toutes les photos ont été prises par des SS. À l'arrivée des trains,
à Auschwitz, où ils organisaient le triage entre les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes, les valides, etc. Et ils les dirigeaient, en leur racontant des salades, vers des endroits pour se doucher. En fait, ils les dirigeaient vers les chambres à gaz. Bien. Chaque fois que j'ai ouvert cet album, moi je suis en larmes, chaque fois que je l'ouvre, c'est insurmontable. D'accord. Et je disais à Rachel, les livres, c'est comme des êtres humains, et les êtres humains, c'est comme des livres. Il y a des moments où tuer un livre, c'est tuer quelqu'un. Mais il y a des moments où parler à quelqu'un, c'est écrire un livre. Donc, moi, j'ai choisi de rester vivant, j'ai choisi de ne pas me suicider. Je me suiciderai si un jour la maladie me gagne et qu'on me dit c'est incurable. Et que, alors là, c'est une question de sauvegarde pour l'entourage. Tu protèges les tiens en disant bon, ben, je ne vais pas devenir une charge. Bon. Donc, le suicide, c'est une option que je respecte, mais je l'actualise tous les jours en me disant mais. L'amour, ça existe et c'est grandiose. Donc, pour se bagarrer, pour être radical, il faut être amoureux de la vie. Je vois des militants dépressifs, j'ai peur. Tu fais pas la révolution si t'as pas le cœur joyeux, c'est pas possible. Ce qu'il y a de rigolo, c'est la chose suivante, c'est que moi, je pense qu'on va dans le mur. Mais quand on lit les textes anciens, il y a toujours quelqu'un qui a dit, à toutes les époques, on va dans le mur. Mais le mur, il n'en finit jamais de se prolonger. Je ne sais pas si tu connais cette histoire chinoise de l'enfant et de la montagne bleue. C'est un gamin qui vit dans un village jaune, dans une montagne jaune. La maison sont jaunes, les gens sont jaunes, les animaux sont jaunes, tout est jaune. Et lui, il grandit dans ce village. Et il se dit, il regarde à l'horizon, et à l'horizon, il y a une montagne bleue. Et lui, il grandit, il se dit, mais moi, un jour, je vais quitter ce village jaune, poussiéreux, etc., et je vais aller vivre dans la montagne bleue. Et il grandit, puis un jour, il prend la décision de partir, et il part. Et il marche en direction de la montagne bleue. Et il marche pendant des semaines, des mois, des années, des années et des années, et un jour il se retrouve vieillard, toujours avec la montagne bleue devant lui, fatigué, un peu désemparé que son rêve soit aussi loin. Il se retourne pour voir d'où il vient, et là d'où il vient, c'est bleu. J'adore cette histoire parce qu'elle dit quoi ? Elle dit que... On croit toujours que, oui, il faut y aller. Mais là où on est, c'est déjà. Notre rêve, il est là, au présent. Hier, j'ai commandé un livre de Gaston Bachelard qui défend l'idée qui s'appelle « L'instant présent », que tout se joue dans l'instant présent. C'est-à-dire que si je suis en grâce, en harmonie avec toi, moi, les chats, là, dans cet instant, et qu'il n'y a pas l'ombre d'un mensonge, alors je mérite mon passé, et alors je suis prêt pour le futur, l'instant présent. Bon, je ne me rappelle plus les questions, de toute façon j'ai une capacité à oublier les questions, qui est quand même phénoménale.